souverainement ses paradis. Héritage loin et vos satisfactions. A fait l'ange, mon Dieu, qu'est-ce qui moins? Même en lui, vous ressentiez ma peur. Mon Dieu, c'est héritage loin. Frère Maximio, amis internautes New York, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours un plaisir pour nous entrer à la caille pour nous capables de présenter une émission parole qui c'est à l'école des saints ou bien yon t'y causé sous la vie Seigneur. Jeudi à ce 15 novembre, l'église a fait mémoire d'un grand saint qui c'est Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand, c'est évêque de Ratisbonne, c'est docteur de l'église. Et nous allons regarder ensemble l'histoire de la ville et pour que ça l'église a présenté nous comme modèle pour que nous soyons capables de suivre et venir saint un jour, même avec lui. Les amis, bon Dieu. Saint Albert le Grand, il a dit qu'il fête dans l'année 1193 et il va mourir dans l'année 1280. Ça fait nous comprendre que Saint Albert passait pratiquement 87 ans à vivre. Il fête dans yon riche famille, donc famille de moyens. Il fait tout dans zone Allemagne. Et c'est comme ça, depuis qu'il a grandi, il a gagné une passion pour études. Qui vient faire que, parents, famille, t'as pris à le voyer en Italie du Nord, notamment dans les villes de Venise et Padoue, pour qu'il soit capable d'apprendre les lettres et la médecine. Effectivement, il a été brillant parce qu'il a une intelligence hors du commun, hors pair. Mais à 30 ans, l'avenir était encore incertain. Il soit rapporté que, bien que l'avenir est incertain, mais il a été rempli de grâce. Il a été conduit par la grâce de Dieu qui vient faire que, il a pendant que lui confie cause à la Vierge Marie, pendant que lui a la prière. Qui t'a dit en voix, donc la Vierge Marie qui dit, donc quitte le monde que tu es et rentre dans l'ordre des frères dominicains. Et voilà, avec ces paroles, que t'a dit, qui va ranimer fausse, qui va quitter le monde vraiment, le monde païen, pour être capable d'entrer dans l'ordre des frères dominicains. Donc il a été doucé dans l'Esprit Saint, il croyait entendre la voix de Dieu, ou encore la voix de la Vierge Marie, qui m'a dit pour quitter côté l'IA pour l'entrée dans l'ordre dominicain, donc il a accepté et il fait. Faut nous dire que ce n'est pas facile pour lui parce que la famille n'est pas d'accord pour quitter le rang que l'IA, hein, parce qu'il sortait dans une famille qui est riche, pour aller dans le frère dominicain. Mais il résistait et effectivement, il arrivait à rentrer dans l'ordre des frères dominicains. Maintenant, il passait de sciences profanes aux sciences sacrées. Il étudiait la théologie. T'as pas le titre de docteur de théologie, qui vient faire qu'avec titre ça, t'as pas le voyelli à Cologne, et c'est de là étant, avec influence qu'il a gagné, t'as pas le gagné un pile disciple qui t'as pas le suivre. Et parmi les disciples, t'as pas le gagné c'est Thomas d'Aquin, qui c'est plus gros disciple que t'es capable de dire qu'il t'a gagné. Et c'était un homme qui était vraiment calme, quand disciple c'est Thomas d'Aquin, t'as pas le relire le bœuf muet de Sicile. Mais Albert le Grand a fait disciple. Puis, pendant qu'il dit, les mugissements de ce bœuf retentiront dans le monde entier. Effectivement, c'est Albert le Grand qui a raison pour lui dire ça, puisque nous connaissons c'est Thomas d'Aquin qui est lié dans l'église là. Et comment vraiment pas parler de la philosophie chrétienne sans pas parler de cet Thomas d'Aquin, qui composait la somme théologique. Mais qui vraiment a eu un gros impact dans tant que ta vie là, dans le 13e siècle et plus. Donc finalement, nous comprenons une belle déclaration, ça que cet Albert le Grand a fait au sujet de cet Thomas d'Aquin, justement, il vraiment a fait sonner dans tout le monde là. Bref, donc nous quittons cet Thomas d'Aquin, en retournant côté nous, il y a un sujet principal là qui c'est Albert le Grand. Alors Albert le Grand, avec cet Thomas d'Aquin, il a brûlé pour entrer dans l'Université de Paris, enseigner. Donc Albert a quitté Cologne côté LDA avec disciple, ce fameux disciple de Thomas d'Aquin, pour le terrain à l'Université de Paris. Et de là étant, on a travaillé, on a produit en pile.
Et quelques temps après, il a parlé de Saint-Albert le Grand pour qu'il était capable de venir provincial de l'ordre des frères dominicains. Bah, il y a une grosse responsabilité. Il va comprendre la responsabilité de ça, il n'est pas capable d'écrire encore. Or, il a été passionné des écrits, c'est qu'on écrit en pile. Mais il va le quitter pour lui capable de rentrer dans, comme provincial de l'ordre des frères dominicains. Et par la suite, tu as parlé d'un pape à l'époque qui t'a ordonné Saint Albert le Grand évêque. Mais maintenant, comme évêque, bon, c'est là-bas le plus dur, il va l'obliger à quitter tout le monde pour être capable de consacrer avec tâche ça comme évêque. Et là, il a gagné 67 ans. Mais pendant que il a exercé le ministère comme évêque, il fait 3 ans. Après 3 ans, il a demandé pour lui retirer colis, pour le décharger lui, de évêque là, de Charles ça évêque, pour qu'il soit capable de consacrer davantage avec écrit, avec les sciences. Bon, ce qui a été accepté par évêque là, alors par pape là, dans un moment, par communauté là, et l'ordre des frères dominicains, donc il a finalement déchargé lui de toute responsabilité pour qu'il soit capable de consacrer davantage avec écrit. Et c'est comme ça, au lieu que lui aller en retraite, il a 70 ans, donc il continue à écrire, mais il va écrire en pile sous science, sous théologie, sous philosophie, donc il va écrire en pile, en pile, en pile, en pile. Mais malheureusement, avant même que le démouille, après il a assisté avec disparition, mais la mort fameux disciple Saint Thomas d'Aquin, malheureusement, donc il a pleuré et le départ de Saint Thomas d'Aquin. Mais nous avons retenu qu'il était écrit en pile, vraiment en pile. Il va mourir, bon, tranquillement, il va mourir, et à l'âge de 87 ans. Mais il a quitté un paquet de richesses dans l'église, là, surtout avec écrit, en théologie, je ne dis, en philosophie, en sciences profanes. Donc, il a écrit. Et modèle, façon qu'il était passionné pour les écrits, pour écrire, pour transmettre connaissances à peuple bon Dieu. Donc, fait de lui qui est le titre docteur de l'Église, et fait de lui tout, un saint, un ami bon Dieu, par rapport avec dévouement que le gagné, exemple que le gagné, témoignage de vie. Donc, l'Église a présenté comme saint que nous sommes capables de suivre, et nous sommes tous capables capable de venir même avec les amis bon Dieu. Donc, frères, sœurs, amis internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, telle a été la vie de Saint Albert le Grand, le docteur de l'Église, évêque de Ratisbonne, que l'Église a présenté dans les comme modèle dans la foi. Nous disons bon Dieu merci parce que nous avons un gros savant, ça, un savant hors pair, un savant qui était très doué, qui était surdoué, et qui fait nous grâce avec écrit que nous avons fait, nous avons posé, nous avons connu bon Dieu plus bien et marché dans les mêmes mondes que nous capables de suivre bon Dieu. Donc nous disons bon Dieu merci pour le grand merveille, ça, qu'il fait dans la vie, c'est Albert le Grand. Et comme en fait que la continuer dans la vie, nous, on va suivre exemple, on va suivre modèle Saint Albert le Grand, docteur de l'Église, évêque de Ratisbonne. Alors nous allons terminer comme d'habitude avec la prière que l'Église a retenue pour Saint Albert le Grand dans l'occasion. Seigneur, tu as voulu que Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.